be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Salut tout le monde, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va tester un nouveau jeu rétro. Il s'agit de Bubble Ghost sur Nintendo Game Boy ou Game Boy tout court. Voilà, sorti en 1990, édité par FCI et Pony Canyon. Alors, ce petit jeu sympa que j'ai trouvé par hasard en cherchant un petit peu partout sur le web, déjà pour commencer. Non, le but est de diriger un petit fantôme qui doit. Vous rencontrez une sorte de petit fantôme qui doit diriger une bulle. Et le but, bien évidemment, c'est de diriger une bulle sans que cette dernière n'éclate. Voilà. Le jeu dans toute sa splendeur. Attends, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention aux obstacles. Mais faire gaffe. Il ne faut en aucun cas perdre de vue cette bulle. Voilà, bon, je veux. Et bien évidemment, il y a certains pièges et certains obstacles qu'il faut quasiment mais éviter. Comme par exemple cette bougie qui est juste là. Là, il faut quasiment l'éteindre parce que la bougie peut faire éclater votre bulle. Voilà. Voilà, c'est là. Ok, là c'est bon. Attention aux pipiques. Bon, ce qui est bien dans le jeu, c'est que votre personnage, étant donné que c'est un fantôme, il ne craint absolument rien, mais la bulle, elle est vulnérable. Ce qui est logique, bien évidemment. Alors, ensuite, oulala. Je ne sais même pas où est-ce qu'on est, je ne sais même pas où est-ce que... Attendez, il faut... Oui, attends, ah, zut, ah, j'étais trop vite, je m'en excuse. Bon, c'est pas grave. On va commencer à éteindre cette bougie. Mince. Voilà. Bien faire attention à ne pas faire. Zut. Ah, voilà. Il faut pas souffler trop fort ni souffler trop. Mince. Ah, mince. Mais merde. Ah, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave si je galère, c'est... Au moins, j'aurais aucun regret à tester ce jeu, même si j'ai testé pas beaucoup de jeux Game Boy. Et voilà! Et là, pour une fois que ça a marché. Alors. Bon, voyons. Là, ça va être un petit peu compliqué. Attends, déjà... Je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. Oh tiens, il y a un petit lapin qui sort d'un petit chapeau. C'est mignon. Bon, voilà, attention. Oui, il faut bien faire gaffe, faut pas faire n'importe quoi. Mince. Et en plus, il y a un putain de ventilo qui m'en empêche. Je sais pas ce qu'il faut faire. Attends, voyons voir. Est-ce que je peux souffler dans l'espèce de petite... Non, même pas. Est-ce que, voyons... Non, je peux pas... Là, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Allez, si je le fais... Attention. Zut! Attention, ne pas faire n'importe quoi... Eh mais sérieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, excusez, j'essaye de chercher. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il éteindre le ventilo? Ouais, ce qui est bien dans ce petit jeu, c'est que on peut quasiment... Attendez!
Ah ben non, il fallait rien faire, il fallait juste éviter que le ventilo touche la. Enfin, dirige. La bulle, voilà. C'est vraiment une idée à la con. Hein. Attends. On se concentre, on ne fait pas n'importe quoi. Attendez. Est-ce que. Merde! Ah, zut! Et ce jeu, apparemment, il peut se montrer dur! Alors. Alors, attention. Oui, on va attendre que. Attends, est-ce que. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, attendez. Alors, attendez. Merde! Ah, je pensais qu'il pouvait pas le toucher, zut! Et ce jeu, pour le moment, il est hyper dur, il est hyper gonflant. Limite saoulant. Et particulièrement casse-tête parce que apparemment on essaie tant bien que mal de d'arranger le coup mais on n'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh attention. Ne faisons pas n'importe quoi. Du calme, Jean-Claude. Zut! Et merde, putain de. Pas grave, c'est pas grave. Attends, est-ce que je. Non, 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 oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne t'éclate pas. Ne va pas trop loin. En plus, ce qui est bien, étant donné qu'on contrôle un fantôme, le fantôme, il est quasiment, mais pas ce muraille, parce qu'il passe n'importe où. Hein. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Et voilà. Ok, là, pour une fois, c'était facile. Bon. Oula. Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Merde! Ah, je voulais tourner vers le bas, mais je me suis mal pris, je suis désolé. Voilà, c'est bon, attends, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Là. Mais mince! Merde! C'était pas du tout ce que je voulais faire. Bon, si je perds, ce sera pas trop grave. Au moins, j'aurais. Oui, ok, on va passer vers le haut, pourquoi pas. Alors, attention à ne pas faire trop n'importe quoi. Alors, attendez. Nanana. Mais je voulais le diriger vers le bas, mais j'ai fait n'importe quoi. Oh, je suis désolé. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Et merde, j'ai encore. Ok, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je m'en excuse. Alors, qu'est-ce que je fais? Je passe vers le haut ou. Non, on va essayer le bas. Par contre, que vous essayez le A ou le haut ou le bas, c'est pas. C'est quasiment mais pareil. Mais putain, mais dirige vers le bas, abruti. Non, mais pas comme. Putain, va te faire foutre. Oh, attends. Ouais, si tu veux, de toute façon, que ce soit en haut ou en bas, ça fera aucune différence. Alors, nanana. Allez. Allez. Cette fois, on se concentre, on fait pas n'importe quoi. Putain! Putain, vas-y. Je suis tellement énervé que je fais n'importe quoi, sérieusement. Mais va te faire foutre, putain! Bon, je propose qu'on s'arrête là parce que visiblement ce jeu, il a l'air bien, mais il est complètement, mais prise de tête, tellement il va quasiment, mais nous faire chier. Hein. Bon, donc je propose qu'on s'arrête là. Donc c'était Bubble Ghost sur Game Boy. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Hasta la vista, baby.